Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Moins content de retrouver nos micro unisson nous. Hein. Encore une fois, jeudi 6 décembre 2021, ça, moi, une autre vidéo d'information pour nous. Gain l'autre information qui tombait dans le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là, semblait capable de courir dans le dossier ça. Selon ça, journaliste Gary Pierre-Paul Charles révélé jeudi. Gary Bayo, c'est de information là, les amis. C'est information, c'est bagaille qui capable bah, vont passer, en tout cas, dans la République. Gen gros nèg, les amis, qui semblait pral nan kouri parce que juge d'instruction cap traité dossier ça, il joigne. Gon série de appels importants qui étaient faits entre des moun qui impliquaient directement dans l'assassinat président avec une série de gros nèg dans le pays là. Changez, le m'tap li rapport de CPJA pour nous. Mon côté, moi te dit, vraiment pas comprendre rapport ça, puisque gen environ 70 numéros de téléphone qui paraît dans le rapport. Et c'est seulement yon trentaine qui ont été identifiés. Et puis, tout l'autre, yon, bah, j'aime identifier. Et m'te pose question, m'te dit, dans l'autre numéro, ça, est-ce que nous pas t'a capable de joindre des moun importants, des moun, en tout cas, qui te planifié, qui te orchestré, qui te commandé assassinat président Jovenel Moïse? On va parler en pile, c'est Gary Pierre-Paul Charles qui baille nouvelle li, nous balle tout crédit. Nous pral fort de Gary Pierre-Paul Charles les amis qui t'a parlé. Même bien avant que me fait entendre Gary Pierre-Paul Charles, il est important pour moi pour me dire nous que non moment n'a parlé là question insécurité à li retourner dans actualité puisque gain monsieur Martissan yo qui décidé bloquer zone là encore. Théorie que l'Isoa Monsieur Dimounio, en tout cas, il était la caillou. Pas passé Matissan, si toutefois, il n'a pas voulu m'aller river. Bon, c'est ça le dit. Et normalement, on va parler là, monsieur Matissan, le commissariat de police qui était dans la zone, bon, il prend ça. Le commissariat de police, il n'est pas pour la police encore, c'est pour bandit que lié. L'autre nouvelle, c'est que gang 400 Marozo, que l'un mois sans jour a dit, j'ai décidé la gué trois lots nan missionnaires, hein, que yon kidnappé depuis plus passé yon mois. Yon te la gué deux déjà, yon libéré trois lots encore, ça fait cinq. Donc actuellement là, yon gué une dizaine de missionnaires nan men yo, mesdames et messieurs. C'est en tout cas l'église qui te. Voyez moun sa ou nan mission qui annonce, ou bien structure qui te, voyez moun sa ou nan mission qui annonce que libéré, li pa bay plus détail pour qu'on ait, pour informer population, combien kob que ou ta bay pour que monsieur ta libéré, moun sa ou. Et l'autre moun que ou continue kidnapper encore. Alors, information sa ou, c'est seulement pour m'dou, ou même qui vive en Haïti, ou même qui nan diaspora, qui t'a aimé retourner dans le pays d'Haïti pendant un moment ça là, fait très très attention. Jovenel Moïse mouri, yo te dit, c'est lui-même qui était chef kidnapping, non? Depuis l'aller, depuis le palan encore, kidnapping n'a fini. Mais semble ça, il n'est pas du tout réalité parce que, donc, impression, ça qu'a fait là, il est pis mal toujours que ça qu'a fait au cours du mois de juin 2021, autour début du mois de juillet 2021, lorsque Jovenel Moïse l'hypothèque assassiné. Donc, faites très très attention les amis, faites très très attention parce que bagala li antigen est compliqué. M'a pas parlé en pile les amis, t'aime faire entendre. Et Gary Pierre-Paul Charles qui t'a parlé, qui t'a baillé nouvelle. Mais vraiment, dernière nouvelle yo, concernant ça qu'a fait sous dossier assassinat président et li dit capable bien courir dans dossier ça, dans jour, dans semaine, cap vin la yo. Surtout, juge d'instruction a décidé convoquer Léon Charles, ancien ministre, ancien de l'autre monde, dans le cadre du dossier ça. Allez, entendez Gary Pierre-Paul Charles. Pour nous identifier qu'il y a eu des voleurs à cravate,
des voleurs qui marchent sous le monde, qui font des déclarations à lui et à Dia, des voleurs qui se font passer pour des gens de bien. Moun sa yo dans le secteur port, le secteur portuaire, Marco. Yo domine tout port honnête, et c'est eux qui baillent le tout dans qui prix pour payer marchandises et qui ça ouvre le fait dans le pays ça. À preuve, nous voyons un bateau qui est entré ici avec combien de centaines de milliers de tonnes de cocaïne. Donc, moun sa yo, yo contrôlé tout pays net, il y en a tout secteur. Il y en a secteur également de la contrebande. Ça a son gros secteur. Pendant Jovenel Abgoumen, contre nous qui dans contrebande, moun bokotel a utilisé douane pour faire contrebande. Son bail de poids et de mesure. Donc monsieur créé hostilité, moun sa été dans secteur ça pas pas donné monsieur. Monsieur tout, t'es un secteur qui t'est gagné projet pour surveiller frontières. Des millions de dollars. Monsieur cassé contre ça. Et un événement qui a fait à la grave, c'est lorsque la première dame a aidé un chef pour chef là capable de bailler bandit à examen l'agent qui a kidnappé madame ni, comme kidnapping a été fait sans cob. Monsieur, madame n'a demandé, chef la cobla, depuis le ça, c'était un élément en plus pour Jovenel témoin. Alors, vous voulez dire nous ça, si j'aime t'as dit au départ, c'est qu'en fait, c'est pas la première fois un président mourit. Tu as fait commentaire? Ne va pas faire ça. Ok. C'est pas la première fois un président mourit. Le père de la patrie a été assassiné. Attention, je n'ai pas fait une comparaison entre Jean-Jacques Dessalines, qui sont monde incomparable, avec Jovenel Moïse. Je ne sais pas ça. Je m'a évoqué que M. mourit pendant le pouvoir. Assassiné le 17 octobre 1808, 1806, le 10 Pont Rouge. Même si historien a eu des désaccords. Oui, des accords sur ça, mais c'est 17 octobre 1806. Mais Makone Mako, est-ce que vous te connaissez ou arrêté moun qui t'a tué Jean-Jacques Dessalines? Bah oui, c'est vrai. Ça veut dire, monsieur, pas une justice. Je continue. Sylvain Salnav, arrivé au pouvoir en 1867, suite à un coup d'état militaire, monsieur t'a montré qu'il y a une velléité dictatoriale. Même Jean-Royal t'a dit, je venais bien qu'il y ait le pouvoir, etc. Même discours que tu as à l'époque. Il a arrêté monsieur le 10 janvier 1970 pendant le pouvoir, mandat de Kofini. Monsieur t'a tenté pour aller en République dominicaine. Il a pris monsieur, il a remis Issa Sagel, il a jugé monsieur et il a exécuté monsieur. Ça fait deux. Troisième président haïtien, c'est Sénatus Lecotte. Il est mort le 8 août 1912 à Port-au-Prince. Il était en poste, monsieur, il a tué un attentat que opposant politique fait sous palais. Il est rentré et il a explosé palais. Monsieur tout mort. Ça fait troisième président. Ça veut dire, c'est pour montrer non, ça m'a fait côté assassinat Jovenel là. Ça veut dire, c'est pas un élément isolé de l'histoire. Toujours bien ça fait. Et quatrième président, donc c'est Vilouin Guillaume Sam. Tout le monde connaît, il a lynché monsieur le 28 juillet 1915. Vilouin Guillaume Sam, il était fait, il était sous pouvoir. Pendant la paix de ses pouvoirs, il fait exécuter 167 prisonniers politiques. Tout le monde a été issu de la bourgeoisie traditionnelle. Il y a un mouvement révolutionnaire, entre guillemets, qui fait dans le pays. Le président Guillaume Sam courut entrer dans l'ambassade de France. Il y a un bal asile politique. Révolutionnaire est entré dans l'ambassade là. Et révolutionnaire prend monsieur. Il a battu jusqu'à ce qu'il tue. Il a traîné dans la rue. Donc, pour nous autres, de scoop, l'histoire est comme une spirale. Et ça qui parle passé, Jovenel Moïse contestait, malgré que monsieur gagne l'élection en deux fois. Il contestait. Il a assassiné monsieur le 7
2021. Et puis, il y a un temps de justice. Comme si Mounioti est tué avant yo, président est tué avant yo, président sa yo, yo te jeune de justice. Maintenant, fok mwen, m'pa ka découragé parce que l'autre président n'a pas de justice et puis me dit, je laisse tomber. M'pa ka fait ça. Je ne laisserai jamais tomber le dossier de Jovenel Moïse jusqu'à ce que gon bagay ki fèt là-dedans. Et moi-même, je n'ai pas l'intention d'accuser personne, mais je suis en train, comme journaliste, Marco Valcoban, nous sommes en train de suivre le dossier de Jovenel Moïse. Avant de parler de l'avancement de l'enquête, nous devons dire, peuple, il faut qu'on ait fort pour nous faire, pour nous comprendre le fonctionnement du monde. Professeur Otto, Marco Valcoban, qui est venu, il a même quitté ça depuis quelque temps. Faut essayer, monsieur, font effort pour nous expliquer l'histoire d'une autre façon. Parce que j'ai pas expliqué l'histoire, je vous dis, il va correct. Il va correct. Il y a des détails qui échappent, l'appel Madiou, il y a des détails qu'on ne comprend pas. Ouais, j'en ai pas expliqué, là, moi, je viens là, moi, pas quoi dans l'histoire, on a besoin de détails. Nous pas besoin de détails. Donc, faut nous faire Jean, monsieur, pour nous capable d'expliquer l'histoire fort, et Fred Boutus dégage, il y a des détails. La génération ça sur le mot Jovenel a dit de ça mundi. Donc et c'est pas seul en Haïti que le président mouri. C'est pas fait ma faire opinion mon non, mais c'est expliquer mon yo qui j'ai ça passé dans le monde. Aux États-Unis, il y a eu 4 présidents en fonction assassinés. Côté mon yo a dit oh bah il a pas qu'à fête, ça pas qu'à fête en Haïti, comment un président fait mourir, mais comme ça Koto yo ap tande nan la, koto yo ap gade nan la, de 4 présidents aux États-Unis qui mouri tout. Abraham Lincoln mouri en 1865. Yo tué monsieur pendant le pouvoir. James Garfield yo assassiné monsieur en 1881 pendant monsieur était au pouvoir. William McKinley yo tué monsieur aux États-Unis pendant monsieur était président. Et dernier président américain qui mourra, c'est John Fitzgerald Kennedy, qui a tué M. Dallas en 1963. Ça veut dire, le mois Jovenel là, c'est pour un bail comme si c'est parce que petit pays noué partout dans le monde, donc même dans un grand pays, pour des questions économiques, des questions financières, des intérêts, des règlements de compte, la drogue et la mafia, ils ont tué président. Maintenant, venons-en au fait. Sous dossier Jovenel Moïse. Mon pral banon, 2-3 informations qui que vous pouvez j'en baille jusqu'à présent. Mais avant, il faut me dire non, il y a 32 personnes, 32 monde, que vous tendez déjà, que le juge d'instruction tendez déjà. Dans le cas d'enquête sur l'assassinat Jovenel, il y a environ 18 Colombiens, il y a des policiers, il y a 2 Haïtiano-Américains, à savoir Solage et Vincent. Vous entendez ça, non? Qui sont personnalités clés dans l'affaire. Et, Gonsous qui dit dans la prison, il y a 47 personnes qui sont en prison sous dossier assassinat Jovenel. Et il faut m'annoncer que juge d'instruction, selon sa gagne de sous-signes de foi, il y a un nouveau calendrier manco. Du 6 au 10 décembre, là, il a commencé aujourd'hui, il y a une série de monde que le peut attendre. Du 10 au 16 décembre, il y a une série de personnalités que le peut attendre. Et il y a des monde que le peut citer là, nous peut attendre. Ça, c'est ça qui constitue, n'est-ce pas, des informations que ma banne. Dans le calendrier, ça, il y a des personnalités importantes que a positionné. Notamment, il peut attendre l'ancien ministre de la justice et de la sécurité publique, Maître Rockefeller. Vincent. Vous pouvez attendre l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des Affaires étrangères, M. Claude Joseph. Vous pouvez attendre l'ancien directeur général de la police nationale, M. Léon Charles. Date que vous avez retenue pour attendre Mounsayo, c'est le 13, 14, le 13, 14 et 15 décembre. Ça, c'est une première information. Deuxième information. Oli Damus, propriétaire Rentecar,
qui te loué machine de JJJ pour Badjo. Côté M. Pak prend cobble déposite nommé JJJ. Tellement habitué à Badjo, juge d'instruction invité M. en date du 2 décembre. Le 2 décembre, il invité M. M. décidé de pas venir. Maintenant, il fait objet, Walter, d'une interdiction de départ et qu'on mandat d'amener, il émettre contre le nommé Damus. Autre information. Comme toujours dit, nous, dans ce couple, on pas créé une nouvelle. Ouais. Ils font buzz pour faire passer comme grand journaliste. Mais oubliez, buzz, ça faut passer comme grand journaliste. Pendant ce temps, Val, au moment opportun, il y a une information. L'offre une information. Si on mentilier, après quelques heures, il y a son mentilier, ça fait de où? Un bosseur, un crétin, on est café tête, on Bravo, sérieux. Très bien, c'est vrai. Bon, presque tous les médias abandonnés à faire Jovenel là. Comment les médias là encore, les médias Colombia? Noticias Caracol. Caracol, regardez, ils ont quitté ça longtemps. Vous comprenez? Ils ont quitté ça. Donc, ils ne peuvent pas suivre le dossier, ils ont quitté ça. Mais nous-mêmes, comme c'est nous qui fait quatre actes sous barre là, toute information nous oblige à chercher pour nous avancer. Et ça fait de nous ce couple-là. Donc, nous n'avons pas menti pour nous exister. Nous-mêmes, nous avons existé dans la diffusion des informations confirmées. Et c'est pour ça, ce couple a continué à suivre le dossier. Selon une enquête que nous menons, nous apprenons que nous arrêté dans quatre dossiers. Monsieur, il est Covington. Je n'ai pas l'intention d'influencer le juge d'instruction. Convainton. Un certain bac, on est. Monsieur semble Marco, il n'y a pas rien pour louer dans le dossier. Mais monsieur dans la prison. Il a arrêté monsieur parce que Solage et Vincent, tu as loué monsieur. Il a présenté Solage et Vincent présenté monsieur un projet économique, mais qui s'en a fait ensemble sur le plan économique. Et comme les poser des questions, vous dites, vous avez rencontré un tel, il a arrêté monsieur tout, parce qu'il a rencontré Solage avec Vincent. Donc, nous comprenons le juge là, l'a cherché, donc si vous avez négocié un contact avec un monde, hein, juge là, obligé, tendez le monde ça. Quand il y a un juge là, nous dilemme. Même si le juge là, ouais, monsieur, pas coupable, il n'est pas qu'on a libéré monsieur. Mais juge là tout au moins, faut juge là qu'on est, ou pas capable que mon aide dans prison et que conscience ou déjà faite que M. Bagayé pour lui, c'est une affaire économique. Moi, bon exemple, et je te voulais prendre exemple ça. Supposons que deux nègres ça yo, yo te vin dans ce coup et il yo te mandé ouais à Gary Pierre Paul Charles. Et puis, au Vinzi, il a dit, monsieur, écoutez, monsieur Pepochal, nous avons un spot, est-ce qu'on va nous pour format? Et puis, nous-mêmes, nous payons. Quand il y a, là, il y a Patrick, il dit Patrick, même barrel. Qui j'en connais, il n'a pas arrêté nèg ça, yo. Et puis, quand il y a, il y a nèg qui est venu dans ce coup pour ton spot venu. Comme si pour Jusa, relez-nous pour l'arrêter, nous. Parce que ça, nèg pas de droit à faire ça. Donc, moi, je des juges là pour nous dire très lucide sous déclaration nègre à faire, Macron. Parce que, en fait, l'or est ton nègre, monsieur en difficulté, pour monsieur diminuer peine, et ça dépend du type de monde psychologiquement, j'en lié, lui qui a bouillé piste, et puis monsieur a mélangé tout le monde. Il faut juger là psychologiquement pareil pour comprendre ça, et je viens d'évoquer le cas de Covington. Et le juge peut enquêter sur ce cas. Et je ne connais même pas ce monsieur, je connais si en noir, si en blanc. C'est parce que son dossier économique a discuté avec elle. Puisque, mais d'ailleurs, même Jean pour Paul Denis, qui t'a rencontré Moun, même Jean-Yves Balthazar, qui t'a rencontré Moun, ces gens-là n'ont pas été arrêtés, qui t'a rencontré Négo, mais maintenant, Covington, il a arrêté Covington. Donc, Paul Denis, pas grand pour lui, Paul Denis content,
que pas gagné pour ouais, Miguel Baltazar pas gagné pour ouais d'après les dernières informations gain et même Jean-Claude Venton pas gagné pour ouais. Maintenant, problème qui gagne c'est que si juge là avec monsieur Kounia, le dilemme Marco, c'est que dit juge là, il est en corruption, il commence à vendre justice, oh monsieur t'as un problème parce que dès pour finaler ton monde, là pour libérer là, il vit un problème. Donc est-ce que Kounia m'a pressé inviter moun pour me connaître, est-ce que Kounia l'aurait ton monde dans cadre affaire, c'est le ordonnance sorte si tout bas, c'est le ça au libéré le val. Et ou même qui est avocat avec Campana, expliquez-moi ça. Vous me comprenez donc que juge là en difficulté par rapport à dossier ça. Mais il faut le traiter le tout d'une autre manière si l'IOE que monsieur effectivement pas gagné pour vous. Toujours l'autre nouvelle, juge là découvre contradiction qui gagne dans la déclaration directeur général. Ministère intérieur Amos Zéphirin, c'est ça? Zéphirin, et les autorités de l'immigration concernant l'arrivée des Colombiens en Haïti. Chaque nègre a un bagage différent. Quand il y a, les juges ont relevé le dossier, ça, les gardez bien, les contradictions, selon ce qu'a fait fort maintenant, parce que l'instruction est secrète, ouais, sous ce qu'a fait fort maintenant. Sous cela dit, juge là, refait une invitation pour deux messieurs. Bon, il recevra l'autre pour ne pas venir présenter devant le juge là, encore. Il recevra l'autre pour ne pas venir devant le juge là. Nous-mêmes, nous avons déduit, ça veut dire. Bon, mon nouvelle, là. L'autorité a fait installer le nouveau gouvernement. Oui, ça a intéressé au jour que l'on a. Autorité fait installer. Il écrit juge d'instruction. Il dit, monsieur le juge, je vous saurais gré de nous fournir des preuves concernant l'implication du nommé Sami Andal. Il m'a dit, juge la preuve, oui. Pour moi, c'est un scandale. Mais on m'a installé lui. Il n'a pas juge la beauté mettre lui. Il n'a pas juge la beauté mettre lui. Il m'a demandé juge la preuve pour son, pour Andal. Ma pensée est comprendre ça qui passé là. Même si c'était le cas de traité là, d'extradition, etc. Parce que quand même, il faut me chercher à comprendre le phénomène ça. Mais ça me connaît, même si je ne suis pas avocat, monsieur, pas oublier de dire dans le droit. Il était dans le droit. Et c'est pas une année deux à me défendre en droit. Bon, culture. Ce que je sais, c'est que le juge instructeur est un juge d'indice. Seul le tribunal peut fournir des preuves. Et ça, monsieur. Donc, vous n'avez pas le droit pour moi de juger la preuve. C'est le tribunal. Là, il pourrait y avoir suspicion. Suspicion légitime sur le comportement de cette autorité fraîchement installée. Donc, maintenant, est-ce que je peux déduire que ceux qui avaient assassiné Jovenel, non, ouais, certaines personnes qui avaient participé à l'assassinat de Jovenel seraient aujourd'hui au pouvoir. C'est une question. Et j'ai le droit de me poser cette question, en fait. Monsieur, mes bagailles là. Dans mes enquêtes, j'ai appris que le dossier de Jovenel serait bloqué par une entité importante. Si Jovenel. Si l'on est mouru, ou t'es gagné au moins une occasion pour retourner pour dire ou nous merci, moi c'est cadavre ça t'a pleuvé pour dire scoop merci. Le pas dit San Lucas merci, non? Parce que San Lucas travaille pour. C'était un employé. Hein? Un employé. Mais nous autres. Nous même si c'est un pilote qui va faire. Qui va faire, oui, même si c'est nous-mêmes, nous c'est des médias, un média indépendant. Il va appeler vous dire Laurent Lamotte ça. Parce que Laurent Lamotte, c'était conseiller, les amis, etc. Mais nous-mêmes, nous sommes médias indépendants. Monsieur Tap content quand même. Bonne continue. Dossier à bloquer. Sous-signe deux fois. Au commandant de la conscience, cyber. Ok. Et libérer tout, monsieur Abtaray. Tenez-nous. Pour concerner l'entité. Yes. Ok. Concernant cette entité,
bon source qui fait connaît. Merci. Tu dois le faire par élégance quand même. Une source qui fait connaît. Bon paquet de monde qui t'a discuté et parlé avec Jovenel 2 semaines avant de mourir jusqu'à ce que Jules mourir. Juge là besoin liste de monde qui t'a parlé avec Jovenel. L'écrit ou entité. Les mandel pour le numéro de téléphone parce que juge là gagne l'autre information supplémentaire concernant monde qui t'a parlé. Entité ça ignoré juge là après 3 correspondances. Pourtant même entité ça li bay liste côté Ariel t'a parlé. Mais ce n'est pas Ariel seulement qui parlait, l'autre monde qui parlait, parce qu'il y a eu des appels croisés. Je vais expliquer au peuple haïtien, ça voulait dire appel croisé. Je prends le téléphone, je prends le Marco. Je parle à Marco, quand je parle à Marco, je parle à Gval. Quand je parle à Gval, je parle à Campagne. Quand je parle à Campagne, je parle à Mano. Dans le même espace-temps, donc, juge a besoin qu'on ait. Appel qui te fait vers Jovenel, appel qui te fait vers Badio, appel qui fait vers youn auteur intellectuel yo, nan même registre là. Vous avez pas juge là, dossier ça. Donc le dossier est bloqué. Si pas gè ça, nous pas joindre auteur intellectuel là parce que gè youn quand même nous pas joindre parce que Badio te parlé constamment avec youn. Il y a besoin de moi, Dieu, il y a besoin de moi. Suite à cette situation, Marco Valcampagne, et je m'adresse à mon invité, un économiste, c'est Edomi. Edomi Germain. Edomi Germain. On l'appelle Economie Germain. Economie Germain. Un économiste respectable, un haïtien à part entière. Monsieur l'économiste, suite à cette situation, le juge envisage d'arrêter ou de mettre la main au collet de l'une des plus importantes personnalités de la République. Jugeant personne à déplacer le peuple, monsieur. C'est une annonce. Pour avoir ignoré les 3 correspondances adressées à cette entité. Selon certains mounzi Mako, appel le fait à des personnalités importantes, une avec l'autre, pendant 2 semaines de dossier revenait là. Gonseil de qui parlait constamment. Juge là son ancien policier. Donc, monsieur comprend une question. Et des noms qui citaient, qui te parlaient avec Badio, hein, qui parlait avec homme d'affaires. Qui parlait à Jovenel, c'est comme si il a préparé finement l'assassinat de l'ancien président. Maintenant, normalement, monsieur, nous-mêmes qui connaissons, le juge a 3 mois pour faire son travail. 2 mois d'instruction et pour moi pour rendre ordonnance. Logiquement, monsieur, si on a volé un bidon gaz, 2 bidons gaz, ou volé, on avait dit, un cabrit. Voilà quelques bananes ou qu'a fait ça. Mais un dossier aussi important, 3 mois pas suffisant, parce que monsieur a 47 moun pour le moment, pour le temps d'être, 3 mois pas suffisant pour monsieur Taran ou ordonnance. Même quoi que juge là, il faut le demander en prolongation, parce que, bon maintenant c'est juge à ça, il y a une intention de remplacer à un autre pour mieux asseoir. Le coup d'État et protéger les vrais coupables. On juge un dossier aussi important en main. Son juge que le monde doit soutenir. Ma bien contre monsieur même. Qui te m'explique?
juge la voie et correspondance par CSPJ pour présenter le budget. CSPJ pas occupé. Juge la voie et cache ton ticket pour la Miami pour la continuer l'enquête là parce que le conseil de monde pour le tendre, il n'est pas capable. Il n'y a pas encore pour le payer hôtel. Il n'y a pas encore pour le machine. Sécurité que tu as juge là, puis là, obligé de quitter parce que tu n'as pas offert. Ou qui sont juge pour aller bas, je veux de la justice dans une situation comme ça. Donc, au moins de le déporter, au moins de le retirer, ça veut dire l'autre cap venir, on va pas le moyen ça. Parce que faut le moyen ça. Monsieur, je veux de la mouinette. Si c'est comme ça, Jovenel Moïnette. Déjà. Mais qui objectif, monsieur Oguéen, là où vous changer juge là? Vous voulez accuser Claude Joseph? Vous voulez accuser Ariel? Il a orienté le dossier vers une autre cible? Et des secteurs par qui fait quoi? À prendre pouvoir. Parce qu'il a le diminué la capacité à Ariel, il n'y a pas affaibli et il n'y a pas pouvoir. Et Léo fait tout ça net. Michel Martelly, tout le monde est dans le film. Non? Parce qu'en face, ils ont peur de Michel Martelly. Et au besoin tout, glisser dossier à un gens pour mettre. Indexé Michel Martelly dans l'assassinat. Moi, tout le monde peut appeler par Léo Bourgogne. Comme si c'est ça en face, mais je fais. Et mes côtés, vous pouvez passer. Notre information, moi, nous là. Avant de conclure. Je vais adresser ma juge là. Comme citoyen. Monsieur Aurélien, que je connais. Faut pas faire confiance à toute déclaration que Vincent fait. Parce que monsieur font déclaration, quand elle dit, Libye en pile avec un membre, ou état-major la police là. Qui te me dit où? Qui te me précise pour où? Effectivement, il y a un membre état-major qui te parlé avec monsieur. Mais je vais l'expliquer, ça qui t'est passé. Dans un acte que je fais, surtout l'acte 4, Vincent est dans le cas qui est derrière le commissariat. Et un chef, à savoir Léon Charles, recevoir un coup de fil de l'autorité américaine qui dit que dans la vie, Ravisseur a besoin de rendre tête. Yo. Et le bail, monsieur, un numéro de téléphone. Monsieur prend le numéro A et lui, il la donne. Et effectivement, Nego dit, il a pris une tête. Yo. Mais c'est Haïtiano américain qui n'a pas là, monsieur. Il a pris une tête, il voulait négocier. Kounia, ça, Léon Charles fait. Léon Charles. Parler avec des CPJ, à savoir le compte, il dit son pensé. Le compte dit lui, en prudent. Plutôt de mettre PM là au courant. Il met Claude Joseph au courant, et Claude dit si la monsieur voulait rentrer tête, pas de problème, arrêtez tout. Pendant Léon Charles a parlé au téléphone, non? Il remarquait que c'est diversion à faire, il tendait Nego qui a parlé, et diversion à faire, c'est il a fait pour la nuit pour qu'il a sauvé. Et Léon Charles parlait avec autorité, quitter la rue, le assaut pour arrêter les gens. Donc il faut juger la très clair sur ça. Et pas oublier, non, Marco, les gens m'ont oublié, tu es un ravisseur qui est intervenu sur la radio. Tu es parlé dans la radio. Ok? Pour dire, pas d'objectif sur ça. Et diversion, tu as fait. Il a attaqué les gens. Donc, Vincent et Solage, ils rentrent tête, et c'est après ça, attaque à une fête. Jodia, juge là en difficulté, parce que vous voulez retirer le dossier à la main. Et n'est-ce
bataille pour retirer de ça maintenant. Marco, monsieur a un camp politique. Et camp politique, monsieur a son camp anti-Martelly, son camp quand vit pour pouvoir. Donc, tout le monde a compris. Maintenant, je réserve le droit pour me parler de rencontre qui était gagnée entre Claude Joseph avec Ariel avant la révocation. Ça, c'est un scoop, puisque Claude va l'inviter, parce qu'il n'a pas invité Claude. Il est pour en Haïti. Donc, je finis pour me dire, pour me faire une autre nouvelle, Marco, il y a un ministère, il a découvert plus que 200 chèques zombies là-dedans. Il y a tant de monde qui vient récupérer les chèques que les gens ne sont pas. Parce que les gens, c'est des gens qui partent aux États-Unis, qui prennent TPS. Gagne tout, c'est pose maladie au point, il est parti à les États-Unis. Donc, ministère ça, c'est le ministère du commerce. Tout chèque là. Et c'est ça que fait, le ministre du commerce a demandé tout le monde, comme je ne sais pas, il a demandé tout le monde qui a besoin de toucher chèque, parce que par virement, où tu as fait. Et l'économiste a expliqué ça. C'est virement, où tu as fait. Nous n'avons pas de travail pour faire virement pour lui, pas de travail. Eh bien, qui t'aime dit nous, tout ministère est comme ça, oui. C'est virement. Tout ministère, on a ces virements à faire parce qu'on va payer l'autre jour. Donc, nous demandons tout l'autre ministère pour faire même mal là. Laisse ça, il y a rentré plus scob. Il était comme ça dans Onatou. Il était comme ça dans le nouveau directeur qui vient. Monsieur. Monsieur Jaskel by chèque. Chèque. Et tout le monde vient toucher. Tout le monde vient toucher. Si ou pas vient toucher, c'est qu'on pas là. Et vous déjà mon délai, après ça, après vous. Ce n'est pas deux comme l'État présenté. Vous pouvez se débarquer en personne. C'est vrai? Ouais. Mais quel est l'espoir? Il y a une réforme qui a fait. Bon, bien évidemment, Haïti est difficile. On parlait de. C'est pas oui. Directeur. Et on a. Ouais. Ouais. Et après, vous quel tout? Oui, c'est ça. C'est pas réforme, il y a tant. Non, oui, c'est ouais. Une politique qui fait la technique. Allez, vous venez vous changer ça. Oui, mais ça a dit, je vais le taper quand même. Ah, ben là, quand même, mon cher, mais je viens de faire changement. Je viens de gagner une puissance. Tout le monde a provoqué. Bon, chance pour Nesmi, on a fait. Mais. Non, il n'a pas arrêté tout. Il n'a pas arrêté de vous faire changement à provoquer. Bon, en tout cas, je suis venu avec information ça pour nous. Et j'aime mon situation. Et là, c'est ce juge-là qui a fait effort pour la Jovenel justice. Mais tout appareil qu'il a, son appareil anti-Jovenel. Le juge-là, pourquoi le pape capable? Pape capable. Pape capable. Parce que regardez. Monsieur, bon, moi, je me dis, bon, on n'est pas comme ça, comme juge, on va mettre un dossier comme ça et puis vous pauvres. Qui choix gagne? Ou gagne choix quitter ça, ou bien on est dans la corruption pour l'argent, pour pas faire résultat? Le système ne va pas permettre que le juge là-bas, Jovenel justice. Il n'est pas capable. Ah. Et si Jovenel est dans le système dans le monde et tout. Le système n'a pas quitté la justice. Tout. Donc, c'est un autre système pour qu'il y ait la justice. C'est un autre système. Donc, quelqu'un doit être tout un procès qui fait, oui, soit assassinat Jovenel. Oui. La fête, le pays a changé. Vas-y, oui. Fait après 50 ans. Mais pour le moment, le procès a commencé, continue et puis l'affaire sera classée. Classé. En attendant l'assassinat du nouveau président. Et pas de nouveau président, on me dit. Non, il n'y a pas encore assassinat encore. Yes, il n'y a pas encore tout ça. Non, parce que mon cabinet président, on ne peut pas prendre chance. Exact. C'est peut-être c'est un mauvais président. Ah, c'est un très mauvais président parce que 10 prochains mois, il y a le président pendant 50 années qui a venu. Il y a des dossiers au pape Jean-Marie. Donc, il faut nous compter que tout le monde a reprendre place. À l'aise. Donc, comme tout le monde a reprendre place, il n'y a pas de président qui a le président qui parle bien de encore. Ouais. Donc, ça veut dire ça veut dire développement pas pour vous. Non, nous ne pouvons pas avoir développement. D'ailleurs, il faut que tu aies une leçon qui te baille, il faut que tu aies une leçon qui te tracé. Faut te tracer un exemple, là, Jovenel Mouya. Donc, comme Jovenel Mouya, qu'on a tout le monde obtenu justice, et monsieur pas besoin de justice, donc 10 prochains présidents de Balguin, là, il a marché sous Pinga. Il a performé bazar. Évidemment, parce qu'il y a qu'on est assassiné. Que ce soit peine, que ce soit commission. Quel que soit mon nom. Il y a obligé de prendre, parce que sinon, même groupe Mouya a tué. Évidemment. Bon, on va voir Ariel là, on pile contre, on va obligé de rebailler. Même si pas rebayo, il va bouler. Même folle pour un genre, même si on va rebayo, bah aussi l'autre non. On va quand même nous encore. Vous comprenez? On va quand même nous encore. Vite, on va l'autre pour une vie. Bon, même si on va un cobra qui contre.
L'État haïtien pas dire pas gagner économie ça pas expliquer nous ça. Pas comme l'État. Non, pas comme l'État. Généralement. Non, pays a tout à fonctionner gars, gars. Et pays a fonctionner gars comme parce que pas oublier nos gars, nous gros économie de rente. Pile bail cap de rentrer dans pays a. Mesdames et messieurs, nous t'attendons Gary Pierre-Paul Charles qui t'a parlé. Ouais, m'a pas rien pour m'ajouter non. Pas rien m'a pas ajouté. Sauf que n'a pas changé information pas non. Et puis depuis une jeune bagaille n'a pas d'elbo. Non pas me sont indifel. Petite bon Dieu. Allez, n'a parlé plus tard dans l'autre vidéo.